Comment glow up? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux glow up, espèce de petit rat à tête de macaque, espèce de petit lutin moche. Donc, si tu regardais cette vidéo, tu as sûrement entre 15 et 25 ans, tu es un jeune homme, tu commences le développement personnel, tu as peut-être une ou deux bonnes habitudes que tu fais régulièrement, mais tu es toujours moche. Faut savoir que moi, à l'heure actuelle, j'ai peut-être gagné 2 à 4 points de beauté, entre guillemets, masculine. Et ça a été grâce aux 4 habitudes que je vais te donner aujourd'hui qui vont te permettre d'être plus beau, tout simplement. J'étais très moche quand j'étais plus jeune. J'ai été émacié, c'est-à-dire que j'avais un visage, c'était un trait, parce que j'étais tout fin. Je faisais 58 kilos pour environ 1,90 m. J'étais d'une maigreur vraiment atroce. J'avais absolument zéro style. J'étais maigre, donc aucune carrière physique. Jamais j'avais les contours, jamais j'allais chez le coiffeur. Je dormais très, 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 très mal. Je me souviens, je dormais régulièrement 3 heures par sommeil pour regarder Bleach la nuit sur ADN. Mais Bleach, c'est trop bien. En vrai, je regarde pas. Et du coup, bon, j'en ai eu marre. Du coup, j'ai commencé à chercher. Je regardais des vidéos de youtubeurs qui parlait comment on looks max, tout ça. Et en vrai, selon moi, il y a 4 choses sur lesquelles tu devrais te concentrer pour devenir beau, tout simplement, pour glow up, pour passer d'un 2 sur 10 à un 6 sur 10, pour passer d'un 4 sur 10 à un 8 sur 10. Et tu vas continuer à travailler, et je pense que tout homme, honnêtement, peut physiquement, je dirais, à part si tu manques 5 bras et t'as 5 doigts au milieu du front. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, bon, je vais pas m'expliquer sur ça. T'es pas bête, réfléchis s'il te plaît. Il y a toujours des gens comme ça qui sont débiles. Bon. Omzo comme toi. En gros, voici les 4, du coup, choses qui vont te permettre de glow up. La première, c'est la salle de musculation. La salle de musculation, en gros, ou plutôt juste le fait de pratiquer le bodybuilding, ça te donnera ce corps athlétique, esthétique, masculin, qui forcément te rendra. Franchement, la salle, c'est ce qui skyrocket, comme on dit, qui vraiment donne un coup de fusée à ta beauté. Tu peux passer vraiment du coq à l'âne. On me l'a dit souvent, grâce à la salle, j'ai vraiment changé. C'est ça qui m'a fait le plus changer, finalement. Parce que tu vas développer des muscles. Tu vas développer une forme, tu vas développer un attrait masculin qui te donne justement ce corps masculin qui fait la différence, tout simplement. Tu vas pas faire la muscu n'importe comment. Je veux que tu m'écoutes bien, que tu regardes les 2-3 vidéos que j'ai fait sur le sujet. Tu verras, elles sont. Tu regardes vidéo en ligne, dans les dernières, il y en a une sur les 9 muscles esthétiques, si je me souviens bien. Une sur le physique de Spider-Man 2099 qui peut t'intéresser. Et il y en avait une autre, je crois, je ne me souviens plus. Mais tu regardes ces vidéos-là parce qu'il y a certains muscles à travailler bien plus que d'autres. Et qui vont te créer cette forme de statue grecque. Ensuite, il y a les cheveux. En ce qui concerne les cheveux, ce qui est vraiment important au final, c'est tout simplement d'avoir une coupe de cheveux claire, définie, qui ne te rend pas débile à cause de la forme de ton visage. Donc si tu as une forme ronde de visage, je veux dire, laisse-toi pousser la barbe un peu pour donner un accès plus un aspect plus angulaire, et tu gères ta coupe de cheveux pour justement donner de l'angle aussi. Mais l'idée, c'est si tu es noir, juste aie tes contours déjà et fais un dégradé, tu seras bien. Pareil, si tu es blanc, va chez le coiffeur assez régulièrement, ou si par exemple tu as un projet cheveux longs, ce genre de choses, gère-le. Parce que tu as une phase moche, il faut que tu la gères, que tu plaques, que tu mettes peut-être un bandeau, ce genre de choses, pour que la phase moche de tes cheveux soit la plus acceptable possible. La troisième chose, c'est d'or. Faut savoir que le sommeil, c'est ça qui va te donner une belle peau, des yeux qui n'ont pas l'air de sortir d'un cadavre, une bonne allure, une bonne énergie, un aspect plus souriant, tout simplement d'or. Ça va te donner, en fait, ça va te donner ce point en plus de santé. La beauté, c'est beaucoup de la santé, et si tu dors mal, t'es pas en bonne santé. Enfin, le style. Pour le style, franchement, tout simplement, déjà, privilégie le noir pour commencer. Si tu sais pas, parce que jouer avec les couleurs, c'est un peu compliqué.
Ensuite, à partir du noir, tu commences à rajouter des couleurs un peu classiques, genre bleu, rouge foncé, ce genre de choses. Tu peux jouer avec ça. Et juste mets des jeans le plus souvent possible. Habille-toi simple, vraiment. Je trouve que le simple, c'est très important. Petite bague, petit collier. Selon moi, j'éviterais les boucles d'oreilles parce que je trouve que c'est très féminin. Mais juste avec quelques accessoires comme ça, petit bracelet, tu peux vraiment passer pour quelqu'un qui a du style alors que tu as juste mis un t-shirt, un jean, une bague, un collier, une paire de Jordan. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as les contours, tu vas à la salle, tu vois? Imagine un peu l'avatar de cet homme en tête, toi avec cet avatar en tête. T'imagines? Tu serais pas au moins 6 sur 10, dis la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour comment glow up. Donne-moi de la force, abonne-toi, like, comme ça je t'en donnerai encore plus dans les prochaines vidéos, encore plus de savoir. D'ici là, je te dis à la prochaine, deviens ce que tu es.